plutôt pour l'éducateur, sachant que la journée sera longue, avec donc deux bouteilles d'eau pour se désaltérer. Toutes les équipes avec les horaires. Tu as le calendrier du club 2014, plaquette, présentation du club, et puis un petit cadeau pour la Coupe du Monde pour l'occasion. Bonne journée à vous. Merci. Excuse-moi. En fait, t'as des petits yeux, t'as mis des calendriers ou quoi? Signature, là, et... Ah, donc chapeau. Oh la merde, t'es pique, c'est con. Tu vas me faire là. Depuis 5 ans, le FC Arieux Embrun organise les tournois U11 et U13 sur le stade de Beauchastel. Donc on a 32 équipes qui viennent du département de l'Ardèche et de la Drôme, mais également hors département. On a également 32 équipes en U13 le dimanche. Donc pareil, avec des équipes qui viennent de toute la région Rhône-Alpes, on va dire. Donc c'est une grosse fierté d'avoir réussi à rentrer 32 équipes sur une journée au niveau organisation et puis surtout que les enfants prennent du plaisir avec une organisation digne de ce nom. Bon accueil. Regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Sois aussi fort et intelligent, n'aie pas peur. Vois comme ils sont étonnants, vois comme ils sont curieux. Regarde comme le monde est beau. Et puis, regarde le monde qu'ils ont construit. Regarde ce qu'ils font naître de leurs mains. Tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends comment ils fabriquent tant de beaux. Sur le terrain, c'est Roche du Sorient contre Tournon. Saint-Laurent en Royan contre Tournon. Les derniers tournois de la saison, donc c'est tout plaisir. Des scrupules, des racines à la cime, soulever les écorces. Apprends la littérature, les sciences, nous sommes. Comprends la scène des choses qui font que des hommes. Explique-moi pourquoi sont-ils si féroces. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre, faire coûte que coûte. Partout le temps, partout les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière. Que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Écoute les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ressens-tu cette amertume pareille à la brume, épaisse et qui ne se dissipe pas. Écoute les vibrations, la terre grondée et puis écoute le monde qu'ils ont détruit. Écoute tout ce qu'ils brisent de leurs mains. Tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends les raisons de tous ces gâchis. Les construits tant de choses pour se détruire. Des déchirements, des massacres, des exploités. Tant de sombre, d'incompréhension, d'obscurité. Dans ce monde-là, le fort mange le faible. Apprends la politique, les sociétés en somme. Comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi vivent-ils dans une jungle. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte. Par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Regardez, écoute les hommes, mon fils, regardez. En ouvrant bien tes yeux, écoutez. Avec toute ta raison, avec discernement. Car on ne peut comprendre autrement actuellement. La société des hommes est divisée en classes. Et leur position dans la production qui détermine leur place. Il y a ceux qui produisent les richesses. Et puis ceux qui possèdent les richesses. Dans ce système, vois avec quelle modernité. Les hommes oppriment d'autres hommes. Les nations oppriment d'autres nations. Parce qu'une minorité a pris le pouvoir par la ruse et par les armes. D'un côté les maîtres et tout ce qu'ils prisent. Avec eux les traîtres corrompus sous le rempli. De l'autre côté les êtres qui subissent les crises. Avec ce qu'ils font naître et tout ce qu'ils maîtrisent. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs. Pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre, faire coûte que coûte. Par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs. Pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière. Afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier.
base de la convivialité. Les équipes peuvent venir sur 2 ou 3 jours, peuvent être hébergées sur le camping, que ce soit de Montchancel ou de la vallée de Derieux. Nous avons plusieurs possibilités. Durant notre tournoi U11 ou U13, nous présentons un concours de jonglage à midi et un concours de tir au but récompensé. Donc on a un joueur par équipe sur les 32 équipes et on récompense les 3 premiers de chaque concours dans les 2 catégories. Alors suite à nos 2 tournois, donc sur les 2 journées, nous proposons une remise de récompense. Toutes nos équipes sont récompensées de trophées, de coupes, plus des lots. Chaque équipe monte sur un podium accompagné de musique. L'objectif est que chaque enfant vienne avec le sourire, reparte avec le sourire et passe une bonne journée. Tu restes de côté, on sait jamais. Oui, bravo. Allez, c'est terminé. On a les 3 records pour 2014. Allez, merci. Thank you.
dit Reda, va, va Reda, donne-lui, donne-lui. Lâche. Ouais, donne. On fera demi-temps de 2 fois 7 minutes. 2 fois 7 minutes. De personnes qui avaient un t-shirt blanc pour s'occuper que ce soit de la buvette, des délégués de terrain, des arbitres, de la table de marque. Je voulais également remercier tous les éducateurs, tous les enfants, bien sûr sans eux il n'y aurait pas de tournoi, tous nos arbitres U17, U15, tous nos délégués de terrain. Avec toute cette grande famille, ben, ça fait une grande réussite. En plus cette année on a eu la chance d'avoir un temps magnifique. Merci à vous tous. À notre big boss.
car les saisons sont longues, très très longues, et on a des moments où ça va bien, moins bien. C'est la valeur des choses, c'est les enfants qui nous le donnent. Et je vais applaudir les enfants qui sont présents aujourd'hui. Merci à tous d'être présents. Quentin, Maurice et Mathis, merci à vous. Voilà pour Élise, bravo, bravo Julien, super. Une première pour nous, une chance pour nous aussi. Bah, il est un peu, il est barbu, il est bon.